Le comportement d'un homme qui cache ses sentiments. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler du comportement d'un homme qui cache ses sentiments. Alors, vous savez, sur ma chaîne pour hommes, souvent, je conseille aux hommes d'aborder les femmes, d'assumer leur intérêt, d'être un peu direct ou du moins de prendre la température, d'éviter le mode interview, je te pose plein de questions. Salut, c'est quoi ton prénom, tu fais quoi dans la vie, etc. De ne pas être trop lourd comme ça. Mais malheureusement, ou heureusement, j'ai que 50 000 abonnés. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont des problèmes en séduction, mais qui ne prennent pas de conseils en séduction. Ça peut amener des hommes à cacher leur attirance, cacher leurs sentiments. Et peut-être que parmi ces hommes qui sont timides, qui peuvent être complexés, ils peuvent avoir un lien avec les femmes difficiles, ça peut venir de leur mère, ça peut venir de leur... Voilà, d'autres choses. Des hommes qui n'assument pas leur attirance, ou tout simplement des hommes qui ont peur, comme balance ton porc. Tu vois, j'avais fait une vidéo sur comment ignorer un homme avec succès, parce que les femmes, elles croyaient que les hommes, il fallait les ignorer. Si, mais il y a beaucoup d'hommes qui ont peur d'être lourds, qui ont peur d'être needy, à cause de balance ton porc et tout. Donc, eux, ils veulent vous séduire en n'étant pas étouffant. Et vous, vous trouvez qu'il n'est pas assez étouffant, qu'il ne vous écrit jamais en premier, que si vous écrivez qu'il a des problèmes, etc. C'est seulement quand il y a des problèmes. Bon, ça, c'est abusé. Mais des fois, l'homme, il veut vous laisser sa liberté, votre liberté, pas vous étouffer pour que vous, vous le trouviez séduisant. Et vous, vous pensez qu'il n'est pas assez intéressé, alors vous le faites galérer. Là, du coup, vous ne vous rencontrez pas, il y a un problème. Donc voilà, peut-être que parmi ces hommes qui ont peur de balance ton porc, qui sont timides, qui sont complexés, qui n'assument pas leur attirance, hein, ils peuvent être d'un milieu religieux, ils peuvent avoir des fausses croyances sur les femmes, comme quoi c'est mal de désirer une femme, par exemple. Peut-être que parmi ces hommes, il y en a que vous kiffez. Et là, c'est le problème. Vous le kiffez, ils vous kiffent, mais ils cachent, et ils n'arrivent pas à avancer. Donc, effectivement, vous pouvez faire un pas vers lui ou faire des invitations pour faire avancer le truc, on va en parler. Mais comment faire déjà pour savoir si c'est le cas? Pour savoir si c'est le cas. Alors, pour savoir si c'est le cas, les amis, on va en parler. Déjà, on a un petit peu parlé, il y a des mecs qui vont vous poser des questions. Et vous allez peut-être les trouver un peu bizarres de l'extérieur. Vous allez vous dire, mais pourquoi il me pose des questions comme ça? Il est mignon et charmant, mais pourquoi il me pose ces questions? Tu fais quoi dans la vie? T'as combien de frères et sœurs? Je veux dire, il y a des questions qui sont pas liées entre elles, qui viennent un peu comme ça, mais ils cherchent le contact. Mais c'est maladroit, c'est voilà. Mais ça, c'est déjà un signe d'intérêt. Je veux dire, si tu crois qu'un homme va commencer à s'intéresser à toi par politesse alors qu'il y a zéro intérêt, alors si tu es dans une soirée coincé avec lui, je sais pas, dans un covoiturage, peut-être, mais s'il pourrait être ailleurs ou faire autre chose et qu'il fait ça, c'est déjà un bon signe d'intérêt. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les signes d'intérêt. Je vous invite à aller la voir. Ensuite, ce que je pourrais vous dire, c'est est-ce que vous avez l'impression qu'il vous regarde, il vous suit du regard? Est-ce que vous avez l'impression qu'il reste dans les parages quand vous parlez et il écoute? Est-ce qu'il essaye de savoir si vous êtes célibataire, si vous avez un copain? Est-ce qu'il écoute ce genre de choses? Est-ce que même il vous a posé la question maladroitement? Est-ce qu'il a demandé à quelqu'un, il a parlé de vous à quelqu'un, il essaie de se renseigner sur vous? Tout ça, c'est des signes d'intérêt. Est-ce qu'il fait semblant ou en tout cas, il se force à s'intéresser aux mêmes choses que vous? Genre, il sait que vous êtes passionné d'équitation, il essaye de s'intéresser un peu aux chevaux, il essaye de montrer, tu vois, de faire la démonstration de valeur, et il essaye de montrer qu'il s'y connaît, même si c'est maladroit et que tu vois que c'est cramé à 1000 mètres, que c'est pas vrai, ou qu'il fait des efforts. Il est un peu try too hard, mais si ça ne te fait pas perdre ton attirance, sache que c'est un signe d'intérêt. Ça. Après, son regard, on peut le sentir dans le regard quand une personne nous désire ou pas. Des fois, moi, mes débuts, quand j'étais très intimidé, je regardais la fille et puis quand elle me regardait, je détournais le regard, tu vois, en mode cramé. Et puis, des fois, elle venait parler à notre groupe de potes et je m'en souviens d'une en particulier au lycée, voilà, elle venait parler à notre groupe de potes. Je la regardais, j'avais peut-être l'air bizarre, mais je la regardais, mais là, je pouvais pas trop parler. J'étais un peu la voix coupée, donc j'étais silencieux. Elle devait me trouver timide, réservé, etc. En fait, elle m'intimidait, tu vois. J'étais pas avec ce rapport avec les femmes, plus joueur. J'étais intimidé par elle, je mettrais trop d'enjeux dans le truc. Donc, s'il a une attitude comme ça, peut-être que voilà, il a pas envie de, et il a peur du râteau, tu vois. Il pourrait se décoincer si vous lui donniez des signes d'intérêt, si voilà. Mais là, ça va être le genre de mec souvent qui va avoir besoin de 15 signes d'intérêt avant d'essayer un truc aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas donner un signe d'intérêt. Elles croient que, mais en fait, le mec, il n'a rien compris. Donc voilà, voilà le genre de portrait. Donc le regard, il vous regarde et même quand vous vous parlez, vous voyez bien qu'il vous bouffe du regard. Un truc que tu ressens avec le feeling, quoi. Si vous avez cette impression, bah, pas si vous êtes du genre à vous faire des films,
Mais si vous avez cette impression de manière à peu près objective et que ça se répète, c'est sûrement qu'il veut un peu cacher son intérêt pour vous. Au niveau de la voix, soit il ne parle pas parce qu'il est bloqué, soit quand il va parler, il va être un peu noué parce qu'il est très stressé. Et ça risque de partir un peu dans les aigus comme ça de temps en temps. Et ça va lui donner l'aspect mec bizarre. Mais en fait, c'est peut-être juste qu'il vous kiffe. Et quand il sera plus à l'aise avec vous, eh ben, ça va mieux se passer. Ça peut être un chouette mec. Hein. Mais voilà, il n'a peut-être pas trop l'habitude. Avec sa bouche, est-ce que par exemple... Il s'humidifie un peu les lèvres, est-ce qu'il se mord un peu les lèvres, est-ce qu'il regarde votre bouche, est-ce qu'il regarde votre poitrine, est-ce qu'il regarde votre fesse, est-ce qu'il vous mate, voilà, est-ce qu'il essaye de se renseigner sur vous, d'amener la conversation sur un peu de sexe. Des fois, il y a des mecs qui se réfugient dans l'humour, essayent de faire des blagues, de vous faire rire, voilà, ou il va rigoler à vos blagues alors qu'elles ne sont pas terribles, il va se forcer, tu vois, voilà. Il va vous soutenir alors qu'il n'y a personne qui vous soutient, mais il va venir vous dire bah, j'ai trouvé ça bien ce que tu as fait là. Autre chose, est-ce qu'il vous espionne? Alors, il y a des filles, bon, la frontière entre le mec très timide et qui vous kiffe et que c'est mignon, voilà, qui n'ose pas, et le mec psychopathe, sociopathe, voilà, dangereux, des fois elle est fine. Il y a beaucoup de filles qui prennent des mecs intéressés pour des psychopathes, mais qui va t'espionner sur les réseaux sociaux. Il va peut-être te regarder tout le temps, tu vois, mais ça va lui donner un air bizarre parce qu'il n'assumera pas, il aura honte, etc. Au lieu de te dire « il est attiré par moi », la fille elle va se dire « mais c'est quoi ce fou ?» En fait, c'est juste un mec qui peut te kiffer, tu vois. Voilà, donc il se peut stalker sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'il va chercher une excuse pour avoir votre numéro au lieu de vous dire « ben, tu me plais, on pourrait se parler par texto ». Il va dire « oui, si tu veux, pour le DM de maths, je vais avoir ton numéro, on s'écrira ou… » Oui, je te ferai gagner, je vais t'inscrire à un concours, donne-moi ton numéro, puis tu recevras un SMS, tu as gagné. En fait, c'est juste pour avoir ton numéro, tu vois. Et après, il va prendre la température plus par écrit parce qu'il va être plus à l'aise à l'écrit. Souvent, voilà, moi j'étais dans ce cas-là, j'ajoutais plus les filles sur Facebook, j'envoyais un POC si elle répondait et tout. Là, je commençais un peu plus à draguer. Mais avant, en vrai et tout, j'étais paralysé, tu vois. Genre un mec qui te parle sur les réseaux et qui en vrai est hyper timide, c'est pas qu'il est bizarre ou lunatique ou qu'il a honte de toi, c'est peut-être qu'il est hyper, hyper intimidé. Il y a une fille, je me rappelle, au collège, on s'est parlé pendant 3-4 mois sur Messenger, sur MSN, pardon, à l'époque. Mais on s'est parlé une seule fois en vrai, et encore, on a fait genre qu'on se connaissait, on s'est fait la bise et tout, mais on s'était quasiment jamais parlé en vrai. Et on n'est jamais sortis ensemble d'ailleurs, tu vois. Donc, moi, j'étais vraiment dans ce... Et une fois, j'ai même essayé d'attirer son attention, j'ai dit oh, « mais j'en ai marre de la vie, tu sors avec lui hein. ». C'est comme ça, je vais me couper les veines, machin. J'avais juste mis un pansement là, puis j'avais fait le cinéma au collège. Tu vois, elle m'avait fait voir et tout. C'est juste pour attirer son attention, c'était ridicule, mais... Voilà, un mec peut faire ça, hein, parce qu'il te kiffe, quoi. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Ouais, donc sur Facebook, sur Instagram, ton numéro, etc. Essayer de faire de l'humour. Il va essayer de sympathiser avec tes amis, avoir des amis en commun, etc. Il va parler de vous. Il va vous chercher des points communs. Il va dire avec un tel, on a tel point commun. Ou quand vous allez dire un truc, il va dire ah, trop bien, nous aussi, on a des points communs. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, le regard, il va essayer de vous chercher du regard. Il risque de détourner le regard. Ou voilà, en tout cas, il va essayer d'avoir un eye contact. En tout cas, il va avoir des comportements excessifs. Excessif dans le regard, excessif dans l'évitement. Il y a des mecs qui sont en mode défense. Genre, tu vois, il te kiffe, mais dès que t'arrives, il est agressif ou il est évitant et tout. Et dès que c'est bizarre ou excessif, les meufs, elles ont tendance à se dire « Ouais, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai rien fait. » En fait, c'est juste qu'il te kiffe, quoi. Mais les meufs aussi, elles font ça. Des fois, elles kiffent un mec, elles sont intimidées. Et leur stratégie, c'est quoi? C'est de faire « Et tu vois, de pas assumer et d'être très mauvaise là-dedans. Ça existe aussi, tu vois. Donc voilà, ça peut être une technique de défense. Ah oui, autre chose que j'ai oublié, un mec qui peut vouloir faire le beau devant elle. Ah, donc ça peut passer par la vantardise, voilà. Mais ça peut passer simplement par se relever, bomber le torse, faire un peu le coq. Quand il est là, quand t'es là, il parle plus fort. Quand t'es là, il essaye de rire, montrer qu'il est cool, tu vois. Voilà, ça peut être vraiment ça pour reconnaître un homme qui vous kiffe et qui cache ses sentiments. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. S'il reste des questions, je répondrai avec grand plaisir. À vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé la communauté Acyprint, téléchargez-le gratuit dans la description de la vidéo. Puis moi, je vous dis bah, à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.